Nous sommes contents dans la présence de Dieu. Mais nous avons besoin de Amen. Amen. Ok, rapidement, bien-aimés, aujourd'hui nous allons clôturer les portes d'entrée. Et si Dieu le veut, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer à étudier les portes d'entrée les dimanches prochains. Pas les dimanches prochains, mais l'autre dimanche. Je pense que ça sera peut-être dimanche le 28 ou le 30 comme ça. Puisque dimanche prochain, je ne serai pas avec vous. Je serai en Israël. 30, hein? Ok. Amen. Amen. Alors, le lot, aux autres qui ça, ma porte d'entrée. Amen. Nous allons terminer le sujet des portes d'entrée. Tofungoli ba Bible, Nabiso. Nous ouvrons nos Bibles. C'est 10e porte d'entrée. Nous abordons aujourd'hui. Hein? 11e, hein? 12e. Non. 11e, ok. C'est la désobéissance. Kozanga Kotosa. Donc la désobéissance, c'est notre 11e porte d'entrée. Kozanga Kotosa, nasolo belango, naba volé misatu. Donc la désobéissance, je vais l'aborder par 3. Nakolo bela liboso, kozanga Kotosa, maloba na nzambe. Je vais d'abord parler de la désobéissance envers la parole. Yami balé, kozanga Kotosa, baboto, babota yo. Envers tes parents. Il y a mis ça tout, quand on a quand ça, en église. Les hommes de Dieu. Et ça porte d'entrée. Ces trois choses peuvent être des portes. Qui constituent l'entrée des démons. Donc la désobéissance. Tu fais quoi la Bible, Nabiso? Tu entends la mukanda na 1 Samuel. Nous allons chez 1 Samuel. Chapitre 15. 15. Bazo tangi la biso verset 2 tina 3. Donc 1 Samuel 15 verset 2 à 3. Après verset 9. Quelqu'un d'autre prendra le verset 9. Après to tangi le verset 15. Verset 15. Donc 1 Samuel 15 verset 2 à 3, ensuite 9 et ensuite 15. 1 Samuel chapitre 15 verset 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsque lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargnerais point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis. Chameau et âne, la parole du Seigneur. Amen. Verset 9 et puis verset 15. Verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. La parole est Amen. Verset 22 à 25. Verset 22 à 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir? Verset 15. Verset 15 d'abord. T'as lu 15 d'abord, après 22 à 25. Verset 15. Saul répondit, ils sont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Verset 22 à 25. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapeutes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. C'est bon, Soukane. Verset 23. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Yoka, bien-aimé. Écoute, bien-aimé.
Bible Zoloba, l'histoire Yaba, Amalek. La Bible parle de l'histoire du peuple d'Amalek. Amalek, bah qui peuple oyo Israël tangu bimi na Égypte. Le peuple d'Amalek avait barré la route au peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte. Il fallait pas traverser na bamboke belé tiba kinoko na Kana na terre promise. Donc avant d'arriver à la terre promise Canaan, il devait traverser plusieurs pays. Il fallait pas kutana na ba obstacle belé, ba kutana na ba combat belé. Combats. Amen. Nzamba lobi. Dieu a dit. Samuel. Samuel lobi, yebisa Saoul. Il a dit à Samuel de dire à Saoul. Akende ko attaquer ba Malek. Qu'il aille attaquer le peuple d'Israël. Parce que ba kangela ki peuple ya Israël nzela tangu bango ba bimaki na boum. Ils ont barré la route au peuple d'Israël. Akende aboma bango nyoso. Et il a dit que Saoul les tue tous. Alobi aboma na bana. Qui tue les enfants. Na mikolo. Na basi, na bibwele, atikate lokote. A bomba même na roi Agag. Même le roi de ce peuple. Saoul a yoki maloba oyo. Saoul a écouté. Oyebi na ba vie na biso. Tinde to tambola kaboye. Mutuna mutaza na ba promesse nzamba prometa pona ye. Ma sœur, mon frère. Ce qui nzambe asa loba na yo ke na kozala kana yo, na kotika kayote. Malgré ma difficulté qu'on y a la bombe ina yo, mais on a confiance que maloba wana nzamba loba no izo sala ba ife. Amen. Ate umeli ba ife zali. Saoul tangwa yo ki ke nzamba ko sala na yelongo. A sepeli. Il était parti combattre. Bibelobi a commis dans Mboka ya Malek. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé dans le pays des Amalek, Saoul a bomi basi. Saoul a tué les femmes. A bomi mibali. A bomi bana. A bomi bibwele. Mais yoka loko Saoul a sali. Mais regarde ce que Saoul a fait. Saoul a kamati a tiki bangombe ya minene oya mafuta. A bomi bango. Il était en bonne santé, il n'a pas voulu les tuer. A kamati roi Agag a tikié. Le roi du peuple. Alors, il a dit comme le roi Agag est un roi. Je ne peux le tuer. Il faut que je lui laisse la vie. Il a gardé la vie du roi. Il a gardé la vie au bœuf qui est en bonne santé. Il a tout ceux qui n'étaient pas en bonne santé, il les a tués. Nzamba ke ko yebisa Samuel. Et Dieu a dit à Samuel. Alors, il tala makamu Saoul a sali. Na lobaki na Saoul aboma bibwele nyoso. Je lui avais dit de tout tuer. Aboma batu, ezala bana mikeza la mikolo. Mais tala Saoul abomi bangombe obakonda. Mais regarde, il a tué que les petites. Azu oya minene ya mafuta atiki. Azu roi Agag atiki. Kendo kutala na ye. Samuel a bandi kolela pona Saoul. Samuel a pleuré. Nzamba lobi kolela pona ye tina sina rejeté. Dieu a dit, ne pleure pas pour Saoul parce que je l'ai rejeté. Oh, na lingi na yebisa yo ma sœur, mon frère. Et ana batu musu ezala ngona tina kochaka bango na prière te puisque Nzamba sa bwaka ne bango. Tangu yo zo cha bango na ba prière les uns aux autres qui satana yo pour rien. Parce que Nzamba sa rejeta bango. Samuel était prophète. Prophète. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait jeté Saoul. Tant que Dieu aussi t'a jeté, t'a rejeté. Mais continuer à prier pour toi. Dieu t'a peut-être rejeté par rapport à ton comportement. Alléluia. Amen. Nine Salami. Saoul, Samuel a la mouki. Samuel s'est réveillé. A qui est-ce que tu as la Saoul? Il est parti voir le roi Saoul. Saoul, tant qu'on a Zoya. Saoul, lorsqu'il arrive. Azo sepe là pour ne pas gagner. Il était content parce qu'il avait gagné la bataille. Yoka, Samuel a tout nié à l'obi boni. Et Samuel lui a demandé comment vas-tu? Bitoumele qui bien? A l'obi oui, Bitoumele qui très bien, tu as gagné, tu as bon mi milo cognos, tu as bon mi batignos. Abina salika nenge penda oyebi sakinga. Samuel a l'obi mena simano kuna nazo kama kelele ya bangombe ezani. Samuel a dit mais j'entends le bruit de certains. Alors bio wale za bangombe minene ya mafuta. Et Saoul lui a dit ce sont les
peu en la bombe na tiki po na keno tumbela lango nzambe mbeka j'ai gardé pour faire un holocauste offrir au Seigneur. Samuel a tali bo amoni roi Agag et Samuel a regardé Abi bongo wana nan il a dit mais qui est alobi wana roi Agag et il lui a dit mais ça c'est le roi Agag na moni okola za muninga la nga roi moyela bomeza te comme lui aussi c'est un yangola bikisiye Yo kama loba Samuel aloba kina Saul. Voilà ce que Samuel a dit. Bible lobi na verset 22. Au verset 22 la Samuel dit l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à sa voix à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Abi est-ce que Nzambe a sepelaka na mbeka? Est-ce que Dieu prend plaisir aux holocaustes? Ton Nzambe a sepelaka na botosi. Ou alors est-ce qu'il prend plaisir? Abi Nzambe a sepelaka na mbeka te. Il n'aime pas les holocaustes. Mais Nzambe a sepelaka na nini? Na botosi. L'obéissance mieux vaut que les sacrifices. L'obéissance mieux vaut que les sacrifices. Botosi eleki ko tumbela Nzambe nini? Mbeka. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien aimé, babanda côté ayo maloba na nzambe. On a déjà commencé à te prêcher la parole. Ceux qui batuni obongola motema la mbula nini. Et lorsqu'on te demande quand. Ah, yo kuto bongola motema simalangati. Na la bongola motema la 1900. En général, tu dis. Mais ba comparer bizaleli na yo. Ba comparer bizaleli ya mopagano. Avec le comportement d'un païen. Bizaleli ya mopagano kuteza kutu bien kutu koleka. Le comportement d'un païen est mieux que le tien. Yango bibelo bi. Donc la Bible dit. Que tozo bakali sous Jésus na ekulus. Nous remettons Jésus sur la croix. Yango moye ba paye ba ye pa na biso ezate. Parce que biso moko comportement na biso. Lo lenge na biso. Bizaleli na biso. Nos habitudes. Ezo zala malamu te. Ne sont pas bonnes. Tozo cha barrière pour na ba païen. Nous mettons une barrière devant les païens. Mo pagalo tango talo bia biso na bango to na biso ka ndenge moko. Les païens te regardent. Ah ba kenena ba mon église ka kotondi sa bakititi. Est-ce qu'on a pensé en Christ? Ah, Tika! Non, on a mis en gâté. Je crois pas. Tant que nous sommes allés à Awa, peut-être que tu es là. Dans le quartier, on a combattu maman Monoko. Et peut-être que dans ton quartier, on sait que tu es quelqu'un. Il suffit qu'à l'Ikamo, une petite chose peut arriver. Que soit dans le temps, on a un voisin. Avec des voisins. C'est comme Iwana. Qui bon Christ écoute les alakali sous soute. Un jour, namboka moko. Un jour dans un pays. Tozaki na frère moko na église ya ami nanga moko. Il y avait un frère dans l'église de mon ami. Frère wana kufi. Ce frère est décédé. Na matanga siko biso tozoemba banzembo nzambe. Et donc lors du deuil, nous chantions des chansons de. Nzoka frère na kata église ezalaki diacre. Et ce frère dans l'église était diacre. Biso toyebi na kombo ya frère Jean. Na libana ba pagano ba camarade ne ba melanga na bango ba bangi ba lotoko ba yebie na kombo ya maître John. Et ses amis qui étaient païens le connaissaient sous le nom de maître John. Tamu ndeko ya kufi. Et lorsque ce frère est décédé. Na matanga tozoe me banzembo a nzambe. Lors du deuil nous chantions les ba camarade na yeba yeba bandi ko déclarer. Et les amis ont commencé à déclarer. Balobi non, siko pe tour na biso bino pe boyemi mingi, siko tour na biso bo pesa biso pe munda biso pe to yemba siko yo. Bon, votre tour est passé, maintenant c'est à notre tour de chanter nos chansons. Toboyi ko pesa bango mbunda. Ba boto la mbunda na makasi. Tala ka biso za ba chrétien bango ba pagano. Nous chrétiens eux ce sont des païens. Totikeli bango mbunda. On leur a laissé. Ba bandi ko yemba banzembo a mokili. Ba bandi ko yemba banzembo a bêtise. Ba lobi azaki muninga na biso. Tozako melana e ba lotoko na ba bangi. Bien aimé, totikala minoko polele tokoka susu ko lobate. Nous étions choqués nous les chrétiens. Siko muto azo ya na église. Donc une personne azo kapé maloba na nzambe. Mais azo bongwa na te. Azo tosa te. Azo changer te. Et ça porte d'entrer au faux fungola là-bas, démon sans le savoir. Mokolomoko garçon moko ya na église. Un jour un frère est venu à l'église. Pasteur a teyi maloba na nzambe sisi kote ya. Le pasteur a fini de prêcher. Alors bi Baoye ba sepeli ko yamba Yesu batele mabale kaliboso. Ceux qui veulent recevoir Jésus se lèvent et avancent. Ezaki na frère moko na kati église azale ko ya pola zako landa sœur moko boye. Et un frère venait souvent à l'église parce que il voulait voir une certaine sœur. Frère wana tangu bazolo ba batu batele mabale yamba Yesu ya lingite. Et donc le frère en question lorsqu'on a faisait l'appel, il ne voulait pas. Mate ya pasteur a teka et tout taka motema na ye. La parole que l'homme de Dieu a prêché à lui. Mais eloko ni ne salié. Mais qu'est-ce qui Sony. Il a eu honte. Ce qu'a tali boy a moni sœur wana zota la ye akangi misu moya kende liboso ezate. Il regardait la sœur et lorsque la pasteur a bengi batu ba yamba Yesu. Batu ba ye batelemi liboso ba yambi Jésus. Les gens sont arrivés devant ont reçu Jésus. Et sili bazongi ba kiovanda. Après ils sont repartis. Prière et sili ba bimi ba kei. La prière s'est terminée.
Kobima babima ki frère wana voiture amata ki voiture c'est l'accident. Le frère en question en rentrant a eu un accident. Pas frère sur place a commis chaos mais na la katai moté maté. Le frère sur place a eu un choc, s'est évanoui mais. Bah tu baye mbangu na église mais quoi bisa pasteur babi frère na bino c'est l'accident bo ke ne mbangu bo ke noté à la place à Zali. Allez prévenir le pasteur en disant votre frère a eu un accident. Pasteur a commis ici qu'un frère à Zala qui. Il y avait le frère. Pasteur a tali à l'obi, na eta ou yazali même na prié pour naye, a obi kanegate. Le pasteur s'est dit, même si je prie pour lui, il ne sera pas sauvé. Bon, et zana ba prière moussou bako, ba l'absoto sambela, to sambela na biso, mais, et zaka l'air mou yo mouzo sambela, tom so senti, conviction bende zate na di kambango. Lorsqu'on prie pour une personne, souvent nous les hommes. Pasteur a tali à l'obi, non. Le pasteur a dit, frère, on a mouna obi kate. Il a dit qu'il ne. Abi, mais pour la nabi ki sa moli mounaye. Mais pour sauver son âme. A tout ni frère, wana. Il a dit au frère. Alors, mes frères, tant que benga ki batu ba ko yamba Yesu na kati église oyaki. Est-ce que j'ai appelé les gens pour recevoir Jésus? Est-ce que tu es venu? Abina nga te pasteur na yoka ki soni. Le frère a dit non, j'ai eu honte. Yo muto yoka ka soni yoka malamu. Toi aussi qui as honte, écoute bien. Pasteur la Bible siko yamba Yesu na minute oyo. Le pasteur a dit bah reçois Jésus. Alors, mes le bakolo Yesu. Il a dit moi Seigneur Jésus. Abi pasteur no ko kati. Il a dit pasteur j'arrive. Pasteur la Bible le bakolo Yesu. Pour pasteur na zomona ki frère nga kata motema. Mais pour ça, des asticots, attends, koufinaye, mais âme naye, et ça la sauver. Le pasteur souhaitait vraiment sauver son âme. Pasteur a lobi, l'obakolo Yesu. Le pasteur a répété, dis Seigneur Jésus. Abi pasteur no kokate. L'homme a dit, non, j'arriverai pas. Moutakati motema koufi. Et il est mort. Ayokai malobanzam. Il avait écouté la parole. Nakati église. Dans l'église. Abouyaki kotos. Mais il n'a pas voulu obéir. Aye essayé motema ne libanga. Il a endurci son cœur. Est-ce qu'il y a un moutouma zan elastique? Est-ce qu'il y a une personne qui a un élastique ici? Elastique. Oba kangambo. Si on mutuwa la elastique apesanga, na bik. Un élastique. Elastique. Namo na ba mama bo kangala ngo ba na basuki na mutubo. Nanga la kselo ko mwa muki. Mutuwa na elastique tiao. Personne a un élastique. Ya mo na mutuwa mama. Mais on peut bendana. Bobo pesanga elo mo ibendana ka. Na stylo. Vas-y déjà stylo. Amen. L'endama bien. Amen. Écoute-moi bien. Oyeza sorte mi balé abatu. Ya mitema ya batu. Ça c'est deux types de cœur. Oyeza bic. Ça c'est un stylo. Oyeza élastique. Ça c'est un élastique. Siko d'après yo. D'après toi. Motema ni neza bien. Na biloko mitema mi balo. Quel est le meilleur cœur? L'élastique. L'élastique. Les interprètes. Motema ni neza bien. Quel est le meilleur cœur? Bic ou bien élastique? Le cœur en stylo, hein? Ou en élastique? Élastique? Bané balobi élastique, il tombe la moussa. Celui qui ont dit élastique, levez la main. Bané balobi stylo. Et ceux qui disent stylo, levez aussi la main. C'est quoi les autres langues à aboué? C'est quoi position des années? Oh! Quand ça l'a gagné, traité une église. Ne sois pas. Amen. Élastique, c'est un mot thème, il y a ma lame. L'élastique, c'est le. Parce que tant que Moutazo Kamalobananzam, ils ont changé forme. Mais lorsqu'il écoute la parole de Dieu, ils ont changé forme. Ils ont fungwama, ils ont changé. Puis ils ont mis le Malobao Yazoka en pratique. Il met la parole de Dieu en pratique. Mais stylo. Mais un stylo. Ils ont monté ma incrédulité. Ce qui n'a forcé Boye. Lorsque je force, je vais couper le stylo. Monté ma libanga. Babanda côté à l'obanda kala. Bongwana. Na ko bongwa na lobby bongwa na na ko bongwa na lobby mukolo moko yo sala kaka kek to kufi et tu mourras au kelifelo et tu iras en enfer na mokito za ba étranger na mokito za ba paya mais souhait na biso ezala kake to kota na mboka na to kokende na lola. Amen. Alors bien-aimé dans le Seigneur, roi Saoul, le roi Saoul a bombi bangombe ya mafuta. Pour donner à l'Holocauste au Seigneur. Un bœuf qui est en pleine. Au fin de nos soute. Au hibar à nos pété. Ma sanga pomme la ranote. Je ne bois pas d'alcool. Molobia n'a qu'une dumba pena moyenne à tikangwezate. Moi la prostitution, je ne peux pas. Et zangombe à ma fouta yobomba. C'est ça le bœuf. Au bien moupe et d'akanga et la gars. Si on a tiki, moi chéri, on a yipé dans ton soumangat. N'a pas l'éla yé danger, Mikolo. L'éla kaye, Mikolo peut pas l'éla yé zali. Amen. Tant que tu n'aimes pas une certaine. Mais on l'a dit bon, na shina kalanga ye kaka. Tu as l'habitude de lui. Shina kaye. Mais na lingina ebiso Yesu pa zoya. Moi j'aimerais te dire que
que Jésus a fait. Tu as peut-être un méchant. Mais il y a une chose. Et tu dis ça, ça te servira un jour. J'aimerais te dire. Nous sommes à l'église. Si tu viens avec ton argent, oye kope sa don église. Et que tu viens donner un don à l'église. Oye kope sa église. Que tu viens dîmer. Bien aimé, ozo mi maudire yo moko. Tu te maudis tout seul. Puisque yo pesi ya kindumba. Parce que toi, tu donnes de l'argent. Si la nini. Qu'est-ce que Dieu ma bébé ba pasteur lelo. Nous les pasteurs. Tu as tenté à retourner à yo kope sa dimo tout na mutu. Oteka ki nini, ozo ki salaire nini, ozo ki mbongo ngo nzela nini. D'où vient cet argent? On a souvent l'habitude de prendre, de prier pour la personne. Mais tant que tu es là, donc lorsque toi tu amènes cet argent, on a sa don, on a copé sa dîme. Bien aimé, et sa malédiction, son mime, mais là, la bonne moyenne. Malédiction que tu te mets. Nous avons besoin d'obéissance. Et Dieu veut que tu obéisses. Ah, la pose à sacrificité. Il ne veut pas que tu te sacrifies. Amen. Amen. Tu as entendu la parole de Dieu. Mais pour nous bon, mais pour te repentir, tu n'y arrives pas. Et là, remarqué, moi, j'ai remarqué aujourd'hui. À l'époque, lorsque nous prêchions, en général, ça nous touchait. Nous, lorsque nous repentions, les gens qui nous avaient prêché l'ont fait en face. Et ça qui l'a on a pété, bah la mort peut y ambier, ce bon on peut monter, c'était aux alentours des années 80. Mais les lois, bah tu vois comment la formalité. Aujourd'hui, les gens prennent les choses de Dieu à la légère. Mutazu ya na ye église. Vient à l'église. Mais que bon la monter, son cœur, il n'y arrive pas. Mathieu yoyoka. Et la parole que tu entends. Au coco même les lois t'es apôtre. Tu pourrais peut-être devenir apôtre. Mais bah tu n'as pas versé mon nom aux alentours de vous. Un verset de la Bible peut-être que tu ne le connais pas. Oh comment ah naïbit que tu t'es. Tu diras que tu ne connais pas. Nanda kunota ngaka ta Bible été. Peut-être que chez toi tu ne médites même pas. Au moment où porte et fonga mal sous. Et à ce moment-là que tu as ouvert une porte. Parce que Zangi koto samaloba nanza. Parce que tu n'as pas obéi à la parole. Nzambe a rejeté qui Saoul. Dieu a rejeté le roi Saoul. Pourquoi parce que Saoul a tout ça qui maloba nzamba aloba qui na été. Désobéi au Seigneur. La désobéissance à la parole. Ils ont même là tout blocage. Ça amène le blocage. Puisque Nzambe est déjà prêt à bénir. Parce que Dieu est prêt à te bénir. Oyez bien Israël tant que Babimi d'Égypte. Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Nzambe a préparé qui va compter la Canada 40 jours. Dieu avait prévu qu'il entre dans Canada en 40. Mais Basali combien? Mais ils, combien d'années ont fait? 40 ans dans le désert. Ils ont passé 40 ans. Mais la plupart n'a pas contacté ma couffe dans le désert. Entre eux sont morts dans le désert. Nicolas y a désobéissance. Et aujourd'hui, tu cherches qui sorcier dans ta vie. Premier ndoki na bomo ina yeza yomoko. Premier sorcier de ta vie, c'est toi. Parce que quand tu désobéis à la parole. Oh, tant qu'on comme le balanzambe, bien aimé. Tu écoutes la parole. Ozo tosa ngozo misala. Ndoki akokata ko pousser na pembeni na hote. Parce que mon Dieu est protégé yo. Makambo mabeko ko pousser na pembeni na yote. Yango bibe le biko banga nzambe eza ebandeli ya mayele. Craindre Dieu, c'est le commencement de l'intelligence. Si on devait compter les gens, ceux qui ont Paris, toi tu ferais partie de ceux qui ont été en Paris. Beaucoup d'amènes. Parce que toi tu sais que. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu doutes. Kenga ye yana butu yana moi na okota lola. Quelqu'un doit s'examiner, savoir s'il va rentrer au paradis. Yango photo za la capre bien aimé. Nous devons être prêts. Doza la capre za na butu za na moi. Que ce soit la nuit. Tango zoka maloba na nzambe za pono bongwana. Lorsque tu écoutes la parole, c'est pour te repentir. Ezate pono yesa motema no libanga. Ce n'est pas parce pour que tu endurcisses ton cœur. Et si ko zomi kanga yango wana. C'est à ce moment-là que tu t'enfermes. Batangele biso Jacques chapitre 1 verset 22 à 25. Jacques 1 22 à 25. Jacques, chapitre 1, verset 22 à 25. Jacques, chapitre 1, verset 22 à 25. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mettez en pratique la parole. Boti anamisala, maloba, obozoyoka. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Bosuka kakalako yoka kapambate. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ah!
en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ah, na moni matia na batia ki kingande. Eh, lelo penza. Eh, eh, makte otei. Ah, cette prédication. Olobeli zéro la mobimba. Tu as parlé vraiment de la sœur. Hein? Dans mutoya kan église, mutu nyonso ya kapona nzamba sala nini? Chacun pona nzamba sala nini? Amen. Amen. Tango priyaka. Lorsque tu pries. Libonde neza nini nzambe lobela bango. Quelle est ta prière? Est-ce que prière neza la nini? Ta prière c'est parole. Nzambe lobela ngai. Amen. Siko yo balobeli yo. Toi on te parle. Yo bandiko beta lilo bala nzambe changi. Et comme ah mon dieu balobeli eh eh ayo ki pena makamba lobi pena lelo. Ah cette prédication elle était eh pasteur on a besoin de dire yeba ki makambongo hein. Ah 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 lobeli penza yo ki penza. Non, 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 non. Tu n'as pas l'habitude de faire ça. Linga, oloba ke balobe linga. Mais dis, et l'habitude de Quand tu ozo bongwana, ozo yoka po zo bongwana. Parce que lorsque tu entends, ndenza mazo sepela na motema na. C'est là que Dieu est agréable. Mais ceux qui ont ya kaka koloba ka, lelo balobe li kingane. Dimanche wana balobe la ki kingane. Dimanche wana balobe li kingane. Yo balobe la kaote. Porte fungo mala bomo ina. C'est aussi une porte. Oko bongwana pete. Et tu ne te retrouves pas. Continue. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, ce qui mutoko yoka maloba na nzambe mais à côté yango na misalate, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Azali lokola moto yo amitali na kitalatala. Et qui après s'être regardé, si manaye komitala na kitalatala, s'en va. Akei et oublie aussitôt comment il est. Ben abosani lolenge elongi na yezraki na kitalatala. Verset 25. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite. Mais oyo kokamata misu na ye akoti yango na kati ya mibeko ya solo. La loi de la liberté. Mibeko ya bopeto lito ya peto. Et qui aura persévéré. Ben akoyi kampiko. N'étant pas un auditeur oublié. A cause de la moutou, yako yo kakate a yo kipa bosani. Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera erré dans son activité. Amen. Amen. Balobi sera comment? Erré. Sera comment? Erré dans son activité. Au moins, si yo zalaka errete. Là où toi tu n'es pas heureux. Parce que tu écoutes la parole. Ocha ka ngwa pratique te. Tellement zo ka maloba na nzambe. Ozo cha ngwa pratique te. Moyo za la erre e. Exacte. Tu ne peux pas être heureux. La désobéissance à la parole de Dieu. Obi lelo soki za ki ke ndeto za bwe bisonyo sto to sa ka nzambe. Aujourd'hui si nous craignons la parole de Dieu. Toko souffrir hein. Nous pouvions pas souffrir. Toko souffrir ata mukete. Parce que tant que Bible le binanga na linga mozala nanga lokwa na milinga kanga moko. Ceux qui n'ont pas l'angoisse au salut ça y est. Si j'ai, je vais. Tant que Bible le binanga na linga nzambe na tanzambe na première position. Quand la parole de Dieu me dit de mettre Dieu en première position. Na ozo bozu nanga la opesa libosé par l'nzambe. Je donnerai tout ce que j'ai, je le donnerai. Souffrance exaltée parmi les chrétiens. Et j'aurai pas, il y aura pas de souffrance. Yango na quatre églises primitives ils n'ont pas zavo cela babi kamwe belé. Parce que bandekoyo bazala kiko yoka maloba na nzambe pe bazo changwa pratique. Dieu faisait énormément de miracles parce qu'il y avait l'obéissance. Tango yozo to sate. Toi lorsque tu désobéis, c'est porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. Deuxième désobéissance. Deuxième type de désobéissance. Eza vis-à-vis na ba parents. C'est la désobéissance envers tes parents. Na Exode chapitre 20 verset 12. Exode 20 12. Exode chapitre 20, verset 12. Exode chapitre 20, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Honore ton père et ta mère. Tout ça, tata na yo pe mama na yo. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Pour être mi colonne salanini, et la moulaï. Namboka ou nzamba ou salanini. Amen. Yoka, balobi na français balobi honore, honore ton père et ta mère. Honore na lingala penza ya biaise. Ezana nuko tosa te mezaneti, hein, kokumisa, voilà, kokumisa ye. Amen. Donc Bible lobi honore ton père et ta mère. Afin que quoi? Tes jours se prolongent. Tes jours se prolongent. Lelo batu bazo kufa trop jeune. Beaucoup de gens meurent très jeunes. Pourquoi? Parce que batu bazo tosa baboti na bangote. À leurs parents. Maman na yo. Peut-être que toi tu as tapé ta mère. Tata na yo. Tu as tapé ton père.
Tata na yo to mama ne zapeka ko baboti yo te. Ton père et ta mère ne sont pas ceux qui t'ont enfanté. Ezra noko na yo, ezra tata mo sino, azaka ka tata na yo pas za mama na yo. Le temps ce sont aussi tes parents. Biso tant to zokola. Lorsque nous nous grandissons. Ba parents na biso ba oyé disa biso. Balobi moi si nyonso yo komona na nzela aza mukolo na yo aza mama. Que toute femme qui est plus âgée que toi est une maman. Mobali nyonso yo komona na nzela aza mukolo na yo aza papa. Tout homme qui est plus âgé que toi est ta papa. Il faut tosayer et tant que papa na yo tosayer et tant que mama na yo. Il faut les obéir comme moi maman. Mais la génération alelo ezande ngwana te. Mais la génération d'aujourd'hui. Bano tozo bota lelo bazo tosa ba tata te bazo tosa ba mama te. Yango ba vie na bango eza ya kobeba. Pourquoi leur vie? Ba malédiction musu ezolanda bango. Voilà pourquoi les malédictions. Omona mona musu atanga classe asilisa. Il y a certains enfants qui ont. Nazo bane musalate. Mais ils ont pas de travail. Parce que azanga kotosa ba boti na ye. Ils n'avaient pas obéi à leurs parents. Même ata soki ba boti ba lobeli maloba mabete. Parents, par exemple, n'ont pas dit de mais effet que papa n'a eu maman n'a eu azo là la n'a réglé le colon n'a eu azo regretté. Fait juste que tes parents dorment avec ce regret. Ah, moi n'a pas pensé à ça n'inga boue vraiment. Ah, Nzambe. Que Dieu. N'a pas kumba zemi n'a pas 9 mois. N'a tindé kaka wasale la n'a moi tindo a boui. Kaka ko regretté à maman. Lorsqu'ils ont le regret. Toi y a papa n'a eu. De la maman ou du papa. Et comme mélo malédiction la vie. C'est ça qui amène la malédiction. Et fongo les portes na badem. Ça ouvre les portes dans ta vie. Bien mettons sur quoi tu n'as pas le bibon sur ma parents nos bazabandoki. Tu peux me demander si mes parents sont sorciers. Ma cause la bandoki. Ils peuvent être sorciers. Mais ça les cambois tali bango dans Zambé. Ça regarde. Mais yo tout ça bango étant que bazaba parents na yo. Ce qui ne bâtit yo ça les cambois ma bébé ça contre Bible voilà des boya. Si ils te demandent de faire quelque chose contre la Bible là tu refuses. Et Bible le bi moi na tout ça papa. Et la Bible dit. Paix maman, à ton père et ta mère. Bono salanini. Afin. Mi colonne salanini. Tamso ya poto. Peut-être que tu es venu en France. Na maman no bolobana akutute. Et tu ne parles même pas à ta mère. Na papa no bolobana akutute. Avec ton père, tu ne lui adresses pas la parole. Na noko na bino kutu. Ah, binemia kosakanate. Par exemple, ton oncle peut être ton ennemi. Azana pouvoir li colonna. Sache qu'ils ont du pouvoir sur toi. Akolo ba quelque chose pe ko simba yo. Il peut dire quelque chose et cela va t'atteindre. Et la porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. Et dernière porte d'entrée. La dernière porte d'entrée. Pour la désobéissance. Ouais, tu as toujours la désobéissance. Sous porte d'entrée, disons. Le troisième volet. Kozanga kotosa basali na nzambi. C'est la désobéissance envers les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 17. Batangele biso Hébreux 13, 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. 13, verset 17. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Obéissez à vos conducteurs. Boto sabakambi na bino. Ayez pour eux de la déférence. Pe boza la penza na boto si e paye na bango. Car il fait sur vos âmes. Yoga na no place yo. Tant on a combat à la verse, on a médité. Je médite souvent. Balobi, hein? On dit. Balobi, obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur quoi? Vos âmes. Banane, qui surveille vos âmes? Banane. Les conducteurs. C'est-à-dire, au moins, nous sommes dans la carte de l'église copélique. Comme nous sommes dans cette église copélique, Batu bazo kenge la milimo na bino. Les gens qui protègent vos âmes. Et ça, ma pasteur, bazo kamba église. Bazo kenge la mili mona bino. Garde vos âmes. Makambo na mona réaction nango na Afrique. J'ai déjà vu ces réactions là en Afrique. Na ko expliquer après, va se na ontanga na verset. Je vous expliquerai après la lecture. Car il veille sur vos âmes. Comme devant un rendre compte. Bazo kenge la mili mona bino pote bangonde mutu bako sambisa ma. Qu'il en soit ainsi. Ezala penza bongo. Afin qu'il le fasse avec joie. Pour être basse à la yango na esengo. Et non à gémissant. Kasina kulila lilate. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et vous allez na litomba mon côté pour nabino. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là, il va dans Zambia, ma bonne. Amen. Bible lobi boto sabakambi na bino. La Bible dit obéissez à vos conducteurs. Yo kana yebisa yo. J'aimerais te dire. Balobi boto sabakambi na bino pour être bangonde bazo kengela nini. Bazo kengela nini? Bazo kengela nini? Yoka nanwa.
lelo na poto abate bele bazolo ba henga ipenda na koko talanga na beglise ite na sambela talanga na ndako makamuto mona na beglise beaucoup refusent d'entrer dans les églises, préfèrent prier à la maison. Surtout beglise ba congolais congolaises. Et le balango pasteur moi lobi. Il y a un pasteur qui a dit. Le lobo zo finga biso ba pasteur congolais. Vous insultez les pasteurs congolais. Likamboté. Ce n'est pas grave. Mais mukolo fléau e koya. Le jour où le lukabiso. Mukolo malade e koya. Mukolo ba problème e koya. Boko lukabiso. Vous nous chercherez. Amen. Amen. Tango za bien au monde nos valeurs na bisoté. Lorsque tu es bien, tu vois pas notre valeur. Mais comme ka na problème, ozo senga ka intervention en Zambé. Un problème qui demande intervention. Ndesi koya lukabiso mbangu yango wana. Alléluia. Amen. Amen. Bible lobi tozo kengela limo la bino. Nous gardons vos âmes. Eli kolobanini. Cela veut dire. O moni tangu yozo lala. Que lorsque tu dors. Ba pasteur na yo. Tes pasteurs. Ba kambi na yo. Les gens qui te conduisent. Ba zola late. Ne dorment pas. Aya oye biso teke ona bondela ki pona yo. Ne dira pas oh j'ai prié pour toi. Mais o mona na buto zo bondela. Tu verras que la nuit il prie pour toi. Nzambe na tiki mama shisha na maboko na yo. Na tiki mama Hélène na maboko no. Natiki Serge Aki na maboko no, natiki Frère Pierre na maboko na yo, papa Mayanga na maboko na yo, Frère Christian na maboko na yo, azo tanga mutu moko 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 na kombo na problème na ye pona nzamba pesa réponse. Omona na butu wana. Ce qui ndo kalinga ka ta musuko lokaser grâce. Mbala moko na minute wana, pasteur na ye azo sambela pona ye. Et tiens mbala moko nini? Barrière. Yo mon gars, ma communauté est bien, santé bien. Les choses avancent, tu vas bien. Au calice ta monsieur est fort na yo. Non. Nzoka za di bondeli ba pasteur na yo. Non, c'est la prière. C'est quoi ce qui lobi que yo sambela kana nda. C'est toi tu pries à la maison. Yebisanga sko nana kengela ka molimo na yo. Garde ton âme. Oh ngala sambela na nganda. Eh ma kama ba église na lingala nga ngote. Bien aimé, ndenge to zabo e mutu nyon savon comme un membre ya église universelle, il faut zana nous membre d'une église locale. Le corps du Christ dans l'église universelle doit avoir une église locale. Ce qu'on a une église localité. Tu n'as pas d'église. Attends, le vin à ce que je vais faire. Et que tu dis, je vais faire. Tu n'as pas de paradis. Dis-moi, je suis dit. Yango, et Sengeli, je vais faire. Dis-moi, je vais faire. Parce que je vais faire. Bible dit que vous gardez. Parce que je vais veiller sur vos âmes. Bible dit qu'il veille sur vos âmes. Je vais faire. Je vais faire. Je vais faire. Mais grâce à ma bonne délire, ma pasteur, na yo, la prière de bon moi. Tu es en vie. Yo en Afrique. Regarde ce qui est arrivé en Afrique. Tous ceux qui ont pour la bande de Minabiso, tant que nous étions en train de prier pour les bien-aimés qui allaient à la chasse. Tous ceux toujours dans la prière. On les laissait dans la prière, on priait pour eux. Frère, Zamba, comme ça, diamant. Et un jour, un de nos frères est parti chercher un diamant. Et nous sommes venus vraiment avec des cicatrices, on l'avait tabassé. Frère Aye, le frère est entré. Tu cotisais la permanence, tu vas nous prier pour Aye. On a commencé à prier pour lui à la permanence. On a commencé à prier pour lui. Et puis, on commençait à parler dans son corps. Milimo mabe et les esprits disaient. Balobi biso batuto beta kiye kuna na zamba na carrière. Les esprits disaient c'est nous qui l'avons tapé dans la carrière. Yoka, landa va bien. Amen. Ba démon ba yeliye na forme ya ba soda. Les démons se sont transformés en humains en soda. Tala ba soda musubo mona ka uso to laina buto zolo ta ba soda eza ba démon. Si tu dors et que tu rêves des militaires, sache que ça peut être aussi des démons. Ndeko na batu ba beta kiye eza ba soda penza en tenue militaire ba ya penda physique maboye. Les gens pensaient que c'était les soldats du pays. Alors que c'était des démons. Batini bango na mission ba ko bomaye. Les a envoyés pour aller tuer cet homme. Donc ba yesiko physiquement penza. Ils sont venus physiquement. Ba beta frère wana ndenge nyoso pa ba bomaye. Ba ko ka bomaye te. Ils l'ont pas tué. Mais frère vimba vimba ka elongi. Mais vraiment il a été vraiment amoché. Baba Nicolo baba lobi. Ils ont commencé à dire. Mission notre mission c'était de tuer le frère. Mais l'icolo y a ma prière na bino ba pasteur na bango. De vos prières vous les pasteurs. Ndenge bozo sambela pona bango mikolonios. Vous priez pour eux chaque jour. Tang bazo kine misala. Lorsque ils vont dans leur business. Ya wana to koyiko bomba ete. On n'a pas réussi à les tuer. Alléluia. Amen. Banda mukolo wana. Et depuis ce jour. Na ko mona ke verse yo. J'ai vu dans ce verset. Et le bama kamba solo. Que ce sont des choses réelles. Pourtant, quand ils partaient en carrière chercher
biso tozo bondela nzambe batela bango nzambe protéger bango na ba danger nyo soit diable nzambe pa zoka ba pierre na biso azo protéger bango. Donc frère wana suka za ki prière ya ba pasteur na ite du pasteur. Mais quoi dans sa ce frère est peut-être, serait peut-être mort. Tant monsieur pose la bombe. Et toi aussi tu peux être en. Parce que ma pasteur nous bah ensemble la pona yo. Les pasteurs continuent à interpeller. Mais Bible lobi. Mais ceux qui besoin celle sa bango musala nzambe na ko ima ima. Besoin tous sa bangote. Les hommes de Dieu gémissent lorsqu'ils prient. Bah comme ils ko murmurer. Et qu'ils murmurent. Bah lobi nini. Ça sera quoi? D'aucun avantage. Et ça n'allait tomber mon côté. Donc ça n'aura aucun avantage pour vous. Moi, je prie pour après, quand tu as un peu de temps, tu m'insultes. Quand tu as un peu de temps, tu parles de moi. Quand tu as un peu de temps, tu me calmes. Ce sera un retour, une malédiction. Parce que tu me désobéis. Attends, même si moi, je ne sais pas, Dieu est témoin. Et na ebisa kibino lisolo ya Moïse. Je vous avais parlé de l'histoire de. Ben nazo suki c'est un exemple à Moïse. Et je m'arrêterai à cet exemple-là. Moïse. Nzambe mutabenga kiye. Moïse, Dieu l'a appelé. Amen. Amen. Moïse. Nzambe mutapona kiye. Moïse, Dieu l'a choisi. Moyebi Moïse makamuni nakutana nango. Mais Moïse a rencontré certaines choses. Moïse a kutana makambo belé. Beaucoup de choses. Ezaki même na groupe abatu batelemela kaye. Il y avait des gens qui se sont rebellés contre lui. Esuka nango batona babelé zinda et mela bango bakufa. Le sol s'est ouvert, ces gens-là sont morts. Mais un jour, ndeko naye Myriam. Sa sœur Aaron et son frère Aaron bazo tonga Moïse était en train de parler de Moïse. Balobi Moïse est moka pekisi biso to bala ba femme étrangère te. Et il disait mais Moïse nous a interdit de nous marier avec des femmes étrangères. Mais comment expliquer yé moka bali ba femme étrangère? Comment se fait-il que lui-même a désobéi à cette loi? Nzamba yoki bango. Dieu a entendu Aaron et Myriam. Ayabisi Moïse. Et il a dit à Moïse. Abibenga Aaron pe Myriam bo matalikolo ya montagne ala makamba osola na bino. Myriam qui monte à la montagne. Ba matalikolo ngomba. Les trois sont montés. Nzamba bandolo bana bango. Dieu a commencé à dire. Abi pourquoi bolobi mabe na komba mosali nanga Moïse? Vous parlez en mal de mon service. Alors, na ba prophète mususu. Moi, j'ai des choses à dire à certains prophètes. Na solaka na bango na bandoto na ba vision na ba prophétie. Par des visions par. Maintenant Moïse. Mais avec Moïse. Na solaka ne munoko na munoko misu na misu zolo na zolo lokola mutazo solo na muninga ne mutu. Comme un ami qui parle à son autre ami. Amen. Amen. Sukalango. À la fin. Nzamba frappa ki Myriam na malade à lèpre. Dieu a donné la lèpre à Myriam. Nzamba ebisi bango lobi, j'ai trouvé Moïse fidèle dans la maison d'Israël. Mais or en réalité, Moïse acta cela qui? Nzamba ko lobati gaza fidèle. Dieu ne pouvait pas dire que Moïse était fidèle parce qu'il avait pas respecté. Mais Nzamba lobi Moïse aza fidèle. Mais Dieu l'a trouvé fidèle malgré tout. Le long temps soupe ma cambozo tambolaté na vie na yo. Peut-être que certaines choses ne marchent pas dans ta vie. Nicolas ozanga koto sa ba pasteur na. Parce que tu désobéis à tes pasteurs. Bandi miata le loba koma ba ingrat ya kosakana te. Aujourd'hui les fidèles sont devenus très ingrats. Okoko tele ba jeune, osalele ba prière, amoni pe miracle à Nzambe. Énormément pour eux. Lobi na ngoka mutwana obalukela yo. Comment ce genre de personnes en général retournent leur. Ah, pasteur wana. Ya! Aza escroc, pasteur wana. Ah, c'est un pidi qui passe terre wana. Okomi ko lati saina makambo kutu ya yebaki na yete. Muta bossa ni bola munyonso passer à sala kapona ye. Il a oublié toutes les bonnes choses que le pasteur a pu faire. Mais c'est normal. Ceux qui nzambe ye moko. Dieu lui-même. Batu bazon di mayete. Les gens ne l'ont pas cru. Neti lelo lokola tan ezaki to kote. Aujourd'hui, regardez le temps. Batu mele ba regretter. Il y a plein de gens qui sont dit ah, lelo penda tan bientôt hein. Bazo condamné nani. Ils condamnent Dieu. Ceux qui m'ont bimi ma casse, ah les lopes n'a moi iboye. Bazo condamné nani. Nzambe. Ceux qui m'boule beti ma casse, ah pour nani pe m'boule beti ko, ah. Bazo condamné nani. Bon ceux qui nzambe bandimi yete. Alors imaginez-vous Dieu si on ne le croit pas. Est-ce que vous pensez qu'on le croit? On ne croirait pas. Mais la mokili toza ka ba reconnaissant. Mais il faut savoir être reconnaissant. Toi ba ko tosa ka ba pasteur na biso. Obéir à nos pasteurs. Obiso zo tosa pasteur. Si tu obéis l'homme de Dieu. Ozomi meme la bénédiction. Tu t'apportes la bénédiction. En Afrique un jour, nous allons visiter na ndako ba ndimi. Je visitais une famille en Afrique. Bazaki na ba système mingi ti lelo bazala ngo. Lorsque tu entres dans et que vie, azan et loko pa mbolo nangote. Et il n'a rien pour te payer. Mais alors, on a pas, mais là, ta pamba, pour nous le bataille de Bangana Pambola. Mais comment il m'a bon côté? Donc, bazo comprendre que Bible le mine à Matthieu 10, 40 à 42, que Oyo a koyamba Mosali Nanzambe, a ko pambola ma qualité à Mosali Nanzambe. Ceux qui recevront
les hommes de Dieu seront bénis. Oya ko pesa mosali ya nzamba ta kopo ya mai ya pio akomela osala nini? A opambula ma. Seront bénis. Amen. Amen. Mais lelo, surtout na ba poto awa. Surtout en Europe. Surtout lo ka bozo ba téléphone illimité. Aujourd'hui vous avez des téléphones en illimité. Et comment on va ya kotonga ka ba pasteur? Et comment on va ya kofinga ka ba pasteur? Ye pa la alekisi ala ki sala nini nango? A ye pe poni boyoko. Bien aimé mutu wana. Cette personne. Yote muto bengaye. Yote muto ponaye. Nzambe nde muta ponaye avant kota na limbo mama na ye. Na mabena ye na malamu na ye tika ina nzambe na ye. Tu dois le laisser même s'il. Mais yote osa. Mais tu dois obéir malgré tout. Yango ezo fongo la porte na bomo ya batebe. La désobéissance ouvre aussi des portes. Yo binde ba pasteur balala kana banda kuna bango. Tu sais pas comment les pasteurs dorment chez eux. Mosusa tika mwasi na ye na bana na mbeto alala kaneka na se. Il y en a certains qui laissent leurs femmes dans les lits et dorment sur le sol. Siko yo zolo ba mabe na komba mutu wana. Tu parles de cette personne. Milimo mabe nyonso pasteur na bengana bengana ko ya kulata oti. Les esprits mauvais qu'il chasse, ils pourront venir dans ta vie aussi. Yango bibe lobi. Toto saba kambi na biso. Voilà pourquoi la Bible dit de obéir aux hommes. Alors, de Dieu. La désobéissance est la porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. Est-ce que toto saka baboti na yo? Est-ce que tu respectes et obéis à tes parents? Soko toto saka bango te. Si tu ne les obéis pas. Ceux qui bazana bomo. Et qu'ils sont vivants. Lelo mikiti sa liboso na bango. Soko lobela bango ba mo epesa bango kanda. Si tu leur as dit de mauvaises paroles. Senga bango pardon. Demande leur pardon aujourd'hui. Toto saka ba pasteur na yo. Est-ce que tu obéis à tes pasteurs? Si tu parles lelo, senga nzambe pardon. Demande leur pardon. Senga pe bango pardon. Et demande aussi à Dieu. Est-ce que tosa ka maloba na nzambe? Est-ce que tu obéis à la parole du Seigneur? Pour ceux qui na kata makambo zo tosa te. Parce que dans ces choses-là, si tu désobéis, ma porte est fongama la bon moyen. Sache que tu as déjà ouvert des portes d'entrée. Amen. Amen. Nzamba pambola. Que Dieu vous bénisse. Ah.